chapitre 1er, du verset 15 au verset 21. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 15, verset 21. Vous y êtes? Il est l'image du Dieu invisible. On parle de Jésus. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Là, si vous cherchez Dieu ailleurs, évidemment, ça ne peut pas être plus clair. Hein? Et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il n'est pas le deuxième, hein? En tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Un nom qui nous a été donné, et c'est un nom qui est incomparable, qui a le plus grand goût dans nos bouches. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus. C'est un nom qui fait trembler tous les démons de l'enfer. C'est un nom qui donne la vie, le nom de la victoire, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te remercier, Père, pour les noms si merveilleux que tu nous as donnés. Maintenant, Père, ce matin, nous sommes ici, Seigneur, comme des hommes. Oh Dieu, rempli de faiblesses, d'incapacités, d'incompétences. Néanmoins, nous savons que nous sommes dans ton projet parfait. Amen. Car il t'a plu, ô Père céleste, de faire demeurer, ô Dieu, dans des vases faibles. Comme nous, Seigneur, ce grand trésor qui est ton esprit. Prends le contrôle, la prééminence de ces services du début jusqu'à la fin. Oh Dieu, parce que tu es si élevé, apporte la délivrance parce que c'est une de tes missions. Afin que nous puissions dire, l'Éternel est notre sauveur. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Guidez, conduit non pas du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine passée, j'avais parlé de la volonté parfaite de Dieu, qui est la volonté suprême, parce que contre la volonté de Dieu, rien ne peut arrêter ce que Dieu a pris comme projet, comme résolution, parce que tout a été fait et nous venons de le lire encore, de le confirmer par la parole.
Amen. Tout a été fait, non seulement par lui, parce que c'est lui qui a fait toutes choses. Si tu existes là, c'est lui qui t'a fait. Amen. S'il y a une pierre quelque part, que tu as rencontré une pierre, tu dis, ça c'est Jésus qui a fait ça. Chaque chose, quand tu tiendras chaque chose dans ta main, dit, mais ici, la matière première qui a été amenée à l'existence, avant la transformation, ça c'est Christ. Amen. Amen. Parce que l'homme, après, a transformé, c'est que Dieu a créé tout le reste. Mais avant que quoi que ce soit transformé, ce qui a été mis en place au départ a été fait par la volonté de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a amené tout à l'existence. Amen. Si tu sors dehors et que tu vois un espace qui est là, l'espace, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Si tu vas au bord des rivières et que tu arrives là, tu t'assieds là-bas, comme j'étais parti ici à la mer. Bon, j'étais parti à la mer parce qu'on avait organisé un voyage à la mer pour les résidents. Eh bien, tu arrives là et tu vois là, les eaux qui commencent, mais tu ne vois pas là où ça s'arrête. Amen. Amen. Mais frère, mais ça fait peur. Oui. Et je crois qu'il y a des raisons pour pouvoir, évidemment, trembler devant la grandeur de Dieu. Oh. Et tu te dis, mais qui a mis tout ça au point? Amen. Amen. Qui a mis tout ça au point? Peut-être que tout le monde va regarder comme ça, comme les gens, ils regardent, ils font même attention à rien. Mais tout ce qui a été créé, la Bible déclare que tout a été créé par lui. Amen. Jésus-Christ. Alors, de tout ce qui a été créé, la Bible dit, vous avez ce qui est visible. Amen. Amen. Si je parle de la mer, je parle de la terre, je parle des espaces, je parle... Ça, c'est du domaine du visible. Amen. Amen. Et il n'y a pas que l'invisible, il y a aussi l'invisible, les choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Les choses qu'on ne voit pas, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas. Est-ce que l'air que tu respires, est-ce que tu le vois? Amen. Amen. Et la Bible te pose la question, l'air souffle, le vent souffle, tu ne sais pas d'où il vient, où est-ce qu'il va. Amen. Et tout ça, c'est l'expression de la puissance de Dieu. Amen. Mais c'est tout simplement qu'une personne, vous savez, que cet air soit pollué. Hein? Quand cet air est pollué, alors l'homme commence à étouffer, il ne sait pas respirer. Et il commence à chercher de l'oxygène. Bon, en fait, il y a l'air. Et il y a toute la composition qu'il y a là-dedans. Amen. Amen. Il y a toute la composition de tout ce qu'il y a là-dedans, avec tout l'équilibre. Mais quelle est l'intelligence qui est derrière toutes ces choses? Il y a une grande intelligence et une sagesse qui est toutes ces choses. Qui est derrière toutes ces choses. Et cette sagesse-là, c'est Dieu. Amen. Le Créateur, il a tout créé, le visible comme l'invisible. Et quand tu pars, tu entres dans le domaine de l'invisible, il y a des dimensions. Hein? Parce qu'il dit, il a créé les cieux et il a créé la terre. Amen. Tu as les cieux visibles et tu as aussi les cieux invisibles. Amen. Donc il est très grand, notre Dieu. Amen. Il est tout simplement grand. Amen. Amen. Tu as les cieux visibles, tu as les cieux invisibles. Amen. Parce que tu peux monter dans les hauteurs. Tu vas monter dans la hauteur. Tu vas partir dans les planètes. Et tu vas aller. L'univers renferme. Et tout ce qui est visible est du domaine de l'invisible. L'univers, quand la Bible dit, quand je contemple l'univers. Alléluia. Alors je vois la grandeur de Dieu. Amen. En fait, une personne peut tout simplement s'asseoir là. Chaque chose que tu vois. Vois la grandeur de Dieu là-bas. Amen. Parce qu'il a tout créé, tout mis au point par sa puissance. Amen. Ça, l'invisible et l'invisible. Et nous savons que dans l'invisible, tu as des dimensions. Hein? Quand Frère Branham dit, nous vivons ici dans trois dimensions ici. Hein? La lumière, la matière, et quoi encore la troisième? Le temps. Et le temps. Voilà.
Nous vivons ici dans trois dimensions. La matière, la lumière et le temps, ici. Et dans tout ce qui est invisible, alors vous allez entrer alors dans la quatrième dimension. Amen. Amen. Là où il y a des images et toutes les choses qui, de la télévision et les choses qui circulent, mais alors que ça va traverser les espaces et tout ça, nous sommes là maintenant dans des dimensions invisibles qui vont traverser la dimension visible ici, et le visible et l'invisible. C'est Dieu qui a mis tout ça au point. Amen. Et tu vas encore partir, tu as encore d'autres dimensions, la cinquième dimension, hein? La cinquième dimension, et tu as encore la sixième dimension. La cinquième dimension, quoi, c'est l'enfer. Hein? Voilà. C'est l'enfer. C'est le séjour des morts, c'est l'enfer. Hein? Et tu as encore la sixième dimension qui est, eh bien, ce qu'on pourrait appeler le premier ciel. Hein? Là où vivent les bienheureux. Et alors tu as le septième ciel, hein? Qui est dans la septième dimension, qui est le troisième ciel. Amen. Amen. Alors là, évidemment, tu as des dimensions visibles, des dimensions invisibles, le ciel visible, les cieux visibles, les cieux invisibles, et tu as tout un tas de choses, évidemment, qui existent là. Où finalement, quand tu regardes les gens, quand Dieu ouvre un peu l'intelligence, alors ils montent dans certaines choses et ils saisissent des réalités invisibles. Et tout ça, c'est Dieu qui a créé. Amen. Et c'est Dieu, la Bible déclare, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Combien il est grand. Amen. Mes frères, un tel être, comment est-ce que vous allez le comparer à un être humain? C'est ça qui dépasse les gens. Comment est-ce que vous allez prendre ça et puis vous allez le comparer à Frère Branham? Frère. Amen. Atayo Mogo. Amen, amen, amen. Tu vas prendre ça parce que la Bible dit tout ce qui existe, tout existe par lui. Amen. C'est-à-dire que même le Père existe par lui. Amen. Le Fils existe par lui. Écoutez bien, même le Fils existe par lui. Amen. Le Saint-Esprit, tout existe par lui. Amen, amen. Et non seulement que tout existe par lui, mais tout existe pour lui. Amen. Amen. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tout existe pour lui, ça veut dire qu'en fait, il a fait tout, chaque chose dans un but précis. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Il a fait chaque chose dans un but précis. Pour que chaque chose serve à un but précis. Que chaque chose serve à un but précis. Et ça, c'est le dessein de Dieu. Il a un projet pour chaque chose. Pour qu'est-ce qu'il a amené ça? Il n'a pas, comme Frère Branham disait, Dieu n'a pas fait des choses tout simplement pour que les choses existent. S'il a créé l'oxygène, c'est pour que ça serve aux êtres humains. Amen. 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 C'est pour que vous puissiez respirer. S'il t'a placé sur la terre, c'est dans un but. Amen. 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 Tu n'es pas ici par hasard. Les hasards n'existent pas. Le vocabulaire, le hasard, ne figure pas dans le vocabulaire de Dieu. Amen. Chaque chose a été mise au point dans un but. Amen. 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 Mais vous allez dire, oui frère, mais maintenant s'il parle, il parle de tout ce qui est domination. Même les dominations ont été mises au point par lui. Amen. Amen. S'il y a des trônes, les trônes ont été créés par lui. S'il y a des autorités, les autorités ont été créées par lui. S'il y a des dignités, et même s'il y a une hiérarchie dans les dignités, amen, tout a été créé par lui. Amen. Oh, ça c'est immense. Hein? Amen. Amen. S'il y a des trônes, oh, vous allez parler 24 trônes, mais c'est lui qui a fait ça. Amen. S'il y a un grand trône, un trône grand sur lequel il est assis, avec les pans de sa robe qui resplendissent, c'est lui qui a créé le trône. Amen. 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 Et s'il y a des dignités, frère, il est lui-même le plus grand riche en dignité. Amen. Et de lui, s'il y a des anges, des archanges, des enfants de Dieu, une hiérarchie dans les dignités qui existent,
c'est celui qui a mis en place tout cela. Donc il contrôle chaque chose. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut arriver sans que Dieu sache pourquoi la chose arrive. Amen. Parce que, comme la Bible dit, c'est lui qui a tout fait. Il a tout créé. Et chaque chose a été mise au point dans un but précis. Même les diables. Amen. Même les diables. C'est ce que je vous ai dit la semaine passée. Même les diables, il est là pour servir d'un but. Mais vous, les enfants de Dieu, vous êtes là aussi pour servir d'un but. Amen. Il y a un dessein que Dieu a mis au point et ce dessein-là, Dieu doit l'accomplir. Maintenant, le diable viendra, il va contrecarrer le dessein de Dieu. Rien ne pourra arrêter ce que Dieu a arrêté. Amen. Ce que Dieu a dit que cela s'accomplira, ça doit s'accomplir. Amen. Et de toute façon, toutes ces choses, Dieu va les laisser arriver pour montrer qui est le maître. Amen. 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 Vous savez, même une prostituée qui existe là, la prostituée est là pour mettre en évidence une fille de Dieu qui est capable de tenir sa vie et de montrer la dignité. Amen. La prostituée est là dans un but. La lumière éclaire le monde juste pour montrer qu'il y a la lumière d'un côté et il y a les ténèbres de l'autre côté. Amen. Vous voyez? Et la lumière brille juste pour prouver qu'il y a une puissance qui est capable de contenir les ténèbres à un coin jusqu'à faire disparaître les ténèbres. Amen. La loi de la contraste, la loi des contrastes existe. Yes, Dieu a voulu qu'il y ait une personne très gentille comme vous. Parce que vous êtes les reflets de sa personne. Amen. Mais à côté d'une personne très méchante, mais que le méchant reste là. Vous allez voir une personne, une pire personne, la plus méchante qui existe, va exister là. C'est pour mettre en évidence la personne la plus gentille qui existe. Amen. 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 Donc ne vous en faites pas que la méchante personne là existe. Parce que vous, vous n'êtes pas des méchantes personnes. Vous êtes des gentils. Amen. Ah. Mais vous n'acceptez pas que vous êtes des gentils. Amen. Vous êtes gentils. Vous êtes doux. Amen. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes doux. Vous êtes remplis de douceur. Hein? Parce que ça, c'est une des grandes vertus qu'un enfant de Dieu doit manifester. Amen. Alors, et si je ne le suis pas devenu, je sais que la volonté de Dieu, c'est que je le devienne. Et je sais qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai la force ou la puissance, une puissance quelconque pour y arriver. Mais c'est dans le dessein de Dieu, en fait c'est dans le projet de Dieu, c'est dans le plan de Dieu que je le deviens. Donc Dieu le fera, Amen. Du moment simplement que je crois à sa parole. Amen. Parce que la Bible dit, frère Branham dit ceci, ce n'est pas la science chrétienne qui amène la nouvelle naissance, mais c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la foi dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il est capable de faire une personne remplie de douceur. Je crois à la parole de Dieu et je sais que la douceur va se manifester dans ma vie. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Ce qui amène la vie, ce n'est pas la science chrétienne, c'est la foi dans la parole. Amen. Rien ne peut arrêter le dessein de Dieu. Et vous devez savoir une chose, c'est que le diable, ce qu'il fait, c'est d'essayer de contrecarrer le dessein de Dieu. Je vais revenir là. Écoutez ce que frère Branham dit ici. Je vais vous prendre un passage ici. Je ne suis pas encore rentré dans ma prédication. Frère Branham dit ceci dans la prédication. Je sais que mon rédempteur est vivant. Au paragraphe 15. Et frère Branham dit, toutes les puissances de l'enfer peuvent parier contre cela. Mais elle prévaudra. Amen. Se prêcher le 6 avril en 58. 56, 58. Ouais. Et si j'ai pris la traduction Shekinah, la semaine passée, je vous lisais La Voix des Dieux.
Et frère Branham dit, nous avons la promesse éternelle de Dieu. Il se peut qu'il y ait des docteurs. Il se peut que des ismes se lèvent. Il se peut que des grands programmes se lèvent. Il se peut qu'il y ait des choses qui donnent l'impression que cela pourrait être anéanti. Mais elle ne peut jamais être anéantie. C'est le dessein de Dieu qui veille à ce qu'elle puisse prévaloir. Amen. Parce que le diable, en fait, le diable, ce qu'il cherche, il va chercher à détruire. Amen. Il va chercher à vous détruire. À détruire les programmes de Dieu. Ce que Dieu a arrêté, ceci arrivera comme ça. Le diable va essayer de les détruire. Il va essayer de vous détruire, vous. Mais je vous avais lu ici, Dieu dit qu'en fait, quand Dieu a dit quelque chose, que cela arrivera dans ta vie, le diable ne pourra pas le détruire. Amen. Vous comprenez ça? Le diable n'a aucun pouvoir de pouvoir le détruire. Parce qu'il n'y a que le dessein de Dieu qui s'accomplit. Amen. Dieu a dit qu'il aura une épouse, l'épouse sera là. Amen. Vous comprenez? Il a dit qu'il aura une église sans tache ni ride. Cette église sera là. Amen. Et Dieu a pris les dispositions pour que cette église arrive. Il a envoyé la révélation de la parole. Et il a dit, par cette révélation de la parole, il a envoyé le Saint-Esprit. Et il a dit, le Saint-Esprit va apporter la révélation de la parole de telle sorte que quand l'ennemi va mettre toute sa machine en route, il y a une puissance qui veille sur tout cela de manière à ce que l'Église puisse arriver à la victoire et à ce que Dieu avait décidé. Amen. Vous ne pouvez pas avoir peur. Amen. Je vais vous lire ici, vous allez voir qu'en fait, les diables avaient déjà cherché par le passé à détruire ce que Dieu avait voulu, évidemment, que cela soit là et que cela arrive. Les diables ont cherché par tous les moyens à pouvoir détruire ça. Mais le diable n'est pas arrivé. Amen. Amen. Alors, frère Branham, cela ne dépend donc, cela ne dépend donc pas de moi. Amen. Vous allez faire tous les efforts et tout ce que vous allez pouvoir faire. Mais sachez, frère, vous allez mettre quelque chose en route. Sachez que c'est Dieu qui prend le relais. Amen. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, juste comme avec la pierre de David. Mais David avait une pierre dans sa main. Alléluia. Vous croyez qu'avec la pierre là, la pierre était capable, par la force que David avait, de pouvoir détruire le casque qu'avait Goliath et de pouvoir transpercer son cerveau? Amen. Mais il y a une intelligence qui était derrière la pierre. Alléluia. Une intelligence qui a pris le relais de la pierre et a visé le cerveau du diable. Ça, amen. Il a transpercé le casque, il a transpercé le cerveau du diable, et après, il a décapité l'ennemi, et l'ennemi est tombé par terre. Donc, tout ce que le diable peut mettre comme arsenal, toute son intelligence mise ensemble, Dieu a la puissance assez pour détruire ça. Amen. 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 Laissez simplement que les gens se mettent en coalition contre vous. Laissez-les tranquilles. Dieu va les disperser. Dieu va les disperser. Et il fera en sorte que son enfant arrive au but. Le but qu'il a prévu. Alors écoutez, maintenant, paragraphe 16. Nous pourrions penser aussi aux destructions, au fait d'essayer de détruire. Paragraphe 16. Au fait d'essayer de détruire. Nous avons Christ sur base de la promesse. Amen. Amen. Jésus-Christ est une promesse que Dieu avait fait une promesse pour l'humanité. Amen. Il viendra, il viendra, il viendra, et il est venu. Amen. Nous sommes ici sur base d'une promesse, la promesse que Dieu a donnée. Et quand tu es dans la promesse de Dieu, tu restes tranquille. N'aie pas peur, ne bouge pas. Alors,
pensons aux enfants hébreux. Lorsque Dieu avait un dessein pour eux, lorsqu'ils étaient à Babylone, et que la fournaise fut chauffée 7 fois, plus qu'avant, avant d'anéantir le dessein de Dieu. Qu'est-ce que le diable avait en projet? C'est anéantir le dessein de Dieu. Amen. Amen. Il y a des enfants hébreux qui sont là, à Babylone. Alors, parce que le diable veut les anéantir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, maintenant, je vais ordonner par l'esprit de Nebuchadnezzar que la fournaise soit chauffée autant de fois, juste parce que je vais détruire le programme de Dieu. Amen. C'est pour ça que les sorciers peuvent s'élever pour détruire le programme de Dieu, c'est-à-dire l'église ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui va arriver. Amen. Vous comprenez? Rien ne va arriver. Et que tout l'enfer fasse une coalition, tous les démons, pour anéantir le plan de Dieu, rien n'arrivera. Parce que Dieu veille sur l'église. Amen. Dieu veille sur l'église. Amen. Dieu veille sur son corps. Amen. Dites-moi, quelle est cette personne-là? Parce que Jésus-Christ est la tête. Oui. On vient de lire ici maintenant. Amen. Non? Donc, on vient de lire. J'aimerais que vous puissiez scruter tous les mots. Amen. Chaque mot, parce que chaque mot a été placé là dans un but. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il est la tête du corps. Si vous êtes un membre du corps et qu'il est la tête, je pense que chaque matin lorsque vous vous levez, vous veillez sur votre corps. Amen. C'est un fait naturel. Amen. C'est-à-dire que chaque jour qui s'élève, une personne qui ne veille plus sur son corps est une personne malade. Amen. Soit il devient fou. Hein? C'est un fou qui ne veille pas sur son corps. Quand vous voyez quand évidemment quelqu'un va se lever le matin là, il se promène, il ne se lave pas, mais vous dites qu'en fait la tête est malade. Quelque chose ne va pas. Mais lorsque la tête est en bon état, amen, la tête veille toujours sur le corps. Amen. Et si nous sommes des membres du corps de Christ, qui se veille sur nous? Amen. Et donc nous devons rester tranquilles. Et aller de l'avant, avancer tranquille. Nous pensons aux enfants hébreux. Lorsque Dieu avait un dessein pour eux, lorsqu'ils étaient à Babylone, et que la fournaise fut chauffée 7 fois plus qu'avant, afin d'anéantir le dessein de Dieu, et tout Babylone était en colère. Quand Dieu laisse écrire toutes ces choses, c'est afin de vous servir. Amen. Évidemment, d'exemple. Amen. Il y a déjà eu Babylone, tout Babylone en colère. Amen. Bon, maintenant que tous les démons de l'enfer sont en colère contre vous, ce n'est pas d'aujourd'hui. Amen. 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 Ce qui est arrivé par le passé, c'est ce qui se fera encore. Amen. Et si les démons de l'enfer se coalisent contre vous, il y a la tête qui veille. Amen. Il y a la tête qui veille sur le corps. Amen. 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 C'est-à-dire qu'en fait, Dieu veille sur vous. Amen. Il a dit, même un cheveu ne peut pas tomber par terre. Amen. Sans qu'il le sache. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez vous estimer heureux que Dieu veille sur vous? Amen. Il veille sur nous. Il y a matière à pouvoir être reconnaissant envers le Seigneur. Et Babylone était en colère. Ils étaient décidés. Satan l'était. Anéantir le dessein de Dieu. Car il savait que ses enfants allaient entrer dans la fournaise. Amen. Ainsi prépara-t-il la fournaise lorsqu'il le fit et qu'elle soit chauffée 7 fois plus afin de s'assurer que le programme de Dieu sera anéanti. Amen. Il n'y arrivera pas. Hein? Il n'arrivera jamais à anéantir le programme de Dieu. Amen. Hein? Amen, amen, amen. Est-ce que vous allez vous dire, dites-moi un peu comment est-ce que les enfants hébreux pouvaient même s'imaginer d'aller trouver les Canadiens pour venir éteindre la fournaise? Mm-hmm. Non. Mm-hmm. Qui allait venir à leur secours?
Il n'avait qu'un seul espoir. Et le seul espoir, c'était Dieu. Amen. Amen. Il faut que Dieu vous amène à un point où vous devez détacher votre espoir chez un homme. Amen. Donc, vous devez à un certain moment, il n'y a plus, vous tournez à gauche. Frère André ne sait plus rien faire ici. Vous tournez à droite, peut-être le pasteur ne sait plus rien faire. Vous tournez ici, il n'y a plus personne qui puisse croire que, quoi que ça soit. Frère. La fournaise qui était chauffée 7 fois, qui sur la terre ici pouvait venir au secours des enfants hébreux? Personne. Là, en ce moment-là, donc l'homme apprendra à tourner les regards. Alléluia. Vers Jésus. Amen. À tourner les regards vers Jésus. Mais c'est dans le programme de Dieu que ça soit comme ça. Amen. Dieu veut à un certain moment toujours arriver à détacher l'homme de tout. Amen. Pour qu'il puisse Merci, tourner les regards vers lui. Et dire, maintenant Seigneur, les hommes ne peuvent plus rien. Je sais que tu peux tout. Amen. J'ai été voir tous les médecins ne peuvent plus rien pour moi. Mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui peut quelque chose pour toi. Amen. Il y a quelqu'un qui peut quelque chose pour toi. C'est Dieu. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est malade au point où il a été au bout de la médecine? Oh oui. S'il est ici ce matin. Oh Seigneur. Qu'il sache que Dieu veut te faire arriver au point où tu puisses déconnecter, détacher ton espoir sur un homme de manière à le placer sur Dieu. Amen. Amen. Une fournaise qui est chauffée 7 fois, frère. Dis-moi, d'où viendra de toute façon la puissance pour pouvoir l'éteindre? Sur la terre, il n'y avait plus d'espoir. Mais il y en avait un qui subsistait. C'était Jésus. Amen. Amen. Et la Bible nous dit ce matin que c'est lui qui a fait toutes choses. Amen. Il a même créé le feu. Amen. 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 Et lui-même un feu dévorant. Amen. Amen. Je parle des choses qui vous concernent. Amen. Votre vie. Amen. Amen. Je parle des choses qui concernent votre vie. Imaginez-vous que vous avez déjà essayé de mener une bonne vie. Ça, c'est vous qui avez essayé. Et vous n'y êtes pas arrivé. Amen. Mais ce n'est pas à vous d'arriver. Parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé pour vous. Et son nom, c'est Jésus. Vous prenez toute votre confiance, vous vous mettez en Christ. Christ va vous prendre en charge. Et va vous prendre sous contrôle pour que votre vie, vous deveniez prisonnier de Christ. Amen. Alléluia. Vous allez dire, est-ce qu'il peut le faire? Mais bien sûr qu'il a déjà fait par le passé. Amen. 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 Parce que vous allez dire, mais comment est-ce qu'une chose pareille est arrivée? Il y avait un certain Paul. L'apôtre Paul. Amen. Je vais vous le lire un peu plus loin. Là. Amen. Il était tellement zélé pour persécuter la parole. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, frère Branham a prêché un sermon dans lequel il accusait cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la deuxième fois. Accusation. Amen. Amen. Donc il dit, j'accuse cette génération de le crucifier, encore une fois. Mais combien de fois nous avons crucifié la parole? Parce que Jésus aujourd'hui, c'est là. La parole. Amen. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Amen. Et il y en avait un qui était spécialisé dans ça, l'apôtre Paul. Lui, il s'est levé avec des lettres. Hein? Il avait des lettres, il s'est levé le matin, il avait un programme là, et il avait un projet qu'il avait conçu pour aller détruire les églises de Dieu. Mais tout, frère, la chose était complètement différente. Il allait pour aller persécuter l'église. Alors il a rencontré la colonne de feu. Amen. Amen. Il a rencontré la colonne de feu. Et qu'est-ce que la colonne de feu? La colonne de feu l'a mis par terre. Alléluia. Merci. La colonne de Dieu l'a mis par terre et l'a rendu aveugle. Amen. 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 La colonne de feu l'a rendu aveugle, frère. Laissez tout simplement, s'il y a quelqu'un là qui n'écoute pas, envoie-lui la colonne de feu. Amen. Que la colonne de feu qui ne connaît pas la limite puisse aller là-bas parce qu'il est capable.
programme qui n'est pas un programme de Dieu, de pouvoir le prendre et le mettre par terre et l'aveugler. Amen. Il a aveuglé, il l'a mis par terre, il l'a aveuglé. Alors, mais il a aveuglé aux choses, à ses projets et aux choses du monde. Amen. Il a complètement aveuglé aux choses du monde. Il a aveuglé aux choses du monde au point qu'il a fallu qu'il aille qu'on prie pour lui que des écailles commencent à tomber de ses yeux pour qu'il puisse voir. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, Dieu avait un autre projet pour lui. Amen. Dieu avait un dessein pour lui à accomplir. Amen. Il avait un autre dessein. Que cet homme devait être un prédicateur de l'évangile. Quelqu'un qui devait amener l'évangile. Parce que c'était un fils de Dieu. Amen. Et dans le dessein de Dieu, Dieu a un programme pour toi. Amen. C'est un programme de la vie. Amen. Alors, le diable s'était levé, il a fait un programme pour pouvoir détruire l'apôtre Paul. Amen. Mais ce qu'il est arrivé, il n'arrivera pas. Alléluia. Et s'il n'est pas arrivé pour Paul, il n'arrivera pas pour vous. Amen. 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 Il n'arrivera pas pour vous. Dieu ne va pas vous envoyer ici pour venir perdre votre état. Amen. Alors, écoutez. Mais Dieu voulait manifester. Écoutez. Dieu voulait manifester sa puissance. Amen. Amen. Il voulait manifester sa puissance. Et tout Babylone et tout l'enfer n'ont pas pu faire échouer ce dessein. Amen. Amen. Non, monsieur. Peu importe qu'ils eussent pu chauffer cette fournaise. Un million de fois plus. Amen. Cela n'aurait jamais anéanti le dessein de Dieu. Amen. Dieu voulait montrer qu'il était le Dieu, un Dieu de délivrance. Amen. 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 Dieu veut montrer, il veut te montrer aujourd'hui qu'il est un Dieu de délivrance. Amen. On a un Père céleste puissant. Il est tellement puissant et il a toute la puissance de délivrance. Celui qu'il a avec lui. Amen. 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 Il avait tout ce qu'il fallait pour amener la délivrance. Alors, ils ont chauffé. Mais le programme de Dieu ne peut être anéanti par les diables. C'est ce que j'aimerais vous faire comprendre. Amen. Et que le diable est une puissance qui a été créée elle-même. Amen. 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 Peu importe. Alors, il dit, et il apportera la délivrance à celui qui voudra l'apporter. Amen. Amen. Rien ne pourra interférer avec son programme. Amen. 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 Alors, lorsqu'ils chauffèrent la fournaise, par exemple 17, Shadrach, Meshach et Abednego ne savaient pas qu'ils allaient sortir de cette fournaise. Car ils ont dit eux-mêmes, notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, nous n'allons pas néanmoins nous incliner devant cette statue. Amen. Bon, c'est-à-dire que vous devez prendre la décision. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit prendre la décision. Oui. Parce que tu seras mis devant un test. Juste pour voir de quel côté tu te ranges. Amen. Amen. Je disais ici pendant la veillée que les enfants, Abraham, Dieu, quand il a marché avec Abraham, il a amené au test. Et frère Branham dit, il faut qu'il t'amène aussi à un test final. Amen. Pour qu'il voit comment tu vas réagir. Amen. Amen. Donc la fournaise a été chauffée. Ça, c'est un test pour eux. Ils ont dit, nous savons que notre Dieu est capable. Amen. Est-ce que cela est vrai? Oui. Notre Dieu est capable de nous délivrer de tout. Amen. Mais s'il ne le fait pas, cela ne fera pas, évidemment, que je puisse, moi, me prosterner, m'incliner devant la statue. S'il ne le fait pas, j'irai tout droit dans la fournaise. Amen. 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 Abraham avait dit la même chose. Abraham avait dit, bon, je sais que Dieu est capable, s'il m'a donné un fils et qu'il a dit que ce fils, je dois l'amener, je dois couper sa tête, parce qu'il le veut en sacrifice, je sais que Dieu est capable de le ressusciter même d'entre les morts. Amen. Je sais que Dieu est capable
de le ressusciter. Je sais que Dieu est capable de pouvoir fermer la gueule du lion. Amen. Je sais que Dieu est capable d'anéantir la puissance du feu. Mais même s'il ne le fait pas, je ne vais pas m'incliner. Prenez la décision. N'ayez pas peur de prendre la décision. Hein? Prenez la décision par rapport à la parole de Dieu. Amen. Et prenez une bonne décision. Amen. Amen. Dieu ne vous lâchera pas. Bon. Alors. Il faut qu'on commence là. Alors donc ils ont dit, et s'il ne le fait pas, nous n'allons pas néanmoins nous incliner devant cette statue. Dieu avait quelqu'un qui les servait. Amen. Amen. Il avait quelqu'un qui les servait. Et son dessein n'allait pas échouer. Amen. C'est ça, frère. Amen. Qui a jamais pensé que le dessein de Dieu peut échouer? Non. Dieu n'échoue pas. L'homme peut échouer, Dieu ne peut pas échouer. Amen. Amen. L'homme peut échouer, Dieu ne peut pas échouer. Et donc, je vous disais ici la semaine passée que Dieu, dans son dessein, parce que l'écriture montre tout plein, partout, que Dieu, évidemment, ce qu'il avait décidé, c'est ce qui arrivait. Amen. Et c'est que ce que nous faisons ici, nous sommes ici pour accomplir totalement la volonté de Dieu. Amen. Et nous sommes ici pour accomplir la volonté de Dieu, nous qui aimons Dieu, de telle sorte que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Amen. 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 Et donc, je disais qu'en fait, dans ce grand dessein de Dieu, Frère Branham dit qu'en fait, il voulait l'accomplir à trois points, à trois niveaux distincts. Amen. Amen. Dit les triples desseins de Dieu. Il avait, on va dire, trois desseins. Ou il avait un dessein qu'il voulait accomplir à trois points, à trois niveaux. Donc, je vais vous relire ceci dans Christ. Christ est le mystère de Dieu révélé. Donc, je vais partir directement au paragraphe 140. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 140. Frère Branham dit, remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans son grand secret, mystère. Dieu, dans son grand secret, mystère, il détenait avant le commencement du monde. Il a un triple dessein là-dedans. Et maintenant, ce que nous voulons aborder ce matin, c'est quel est ce triple dessein. Vous voyez? Maintenant, je crois qu'avec l'aide de Dieu qui est présent, il nous les montrera. Alors, il avait ce triple dessein et nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. Amen. Amen. La première chose, c'est que Dieu voulait se révéler aux gens. Amen. Amen. Ça, c'est ce que nous avons abordé la semaine passée. Dieu voulait se révéler aux gens. Ça, c'était le premier point. Ici, je suis dans la traduction de la voix de Dieu. Il voulait premièrement se révéler aux gens. C'est comme ça que nous avons dit, c'est Dieu qui est. Il est grand, c'est lui qui a amené tout ce qui existe ici à l'existence. Il est tellement grand et puissant. Et Frère Branham dit, comme nous l'avons dit ici, il a tout créé par sa puissance. C'est lui qui a amené à l'existence tout ce qui existe. Il est tellement grand, il a existé depuis longtemps, des millions, des billions, des trillions d'années-lumière en arrière, jusque dans l'éternité. Tu continues à reculer dans le temps. En fait, tu recules dans le temps. Pour vous qui suivez, c'est donc le mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 140.
J'ai pris la traduction de la voix de Dieu. Parce que tout à l'heure, j'avais utilisé la traduction Shekinah. Donc, il est tellement grand que quand tu retournes des années en arrière. Parce que nous sommes dans les temps, c'est comme ça qu'il part, il part avec nous dans les temps. Tu retournes dans les temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 000 ans, des millions et des millions, des billions, des billions, des billions d'années-lumière. Parce qu'une année-lumière, c'est une année multipliée par beaucoup d'exposants. Je ne sais plus. Vous qui savez encore ce que c'est, vous pouvez me les rappeler. C'est, en fait, c'est une année normale multipliée par, je crois, c'est 10 000 ou 10 millions. Ça, c'est une année-lumière. Parce qu'en fait, c'est calculé par rapport par seconde, hein, par seconde, par la vitesse de la lumière. C'est ça. Comme ça qu'on l'appelle une année-lumière. On les calcule par rapport à la vitesse de la lumière. Donc, une année-lumière, ça veut dire, en fait, quand il parle de billions d'années normales, en année-lumière, ça veut dire qu'en fait, fois l'exposant de la vitesse du temps par seconde. Donc, ça veut dire que si c'est 1 million, ça fait déjà 50 milliards ou 100 000 millions en année-lumière. Et donc, vous retournez en année-lumière, il a existé, jusqu'à ce que vous allez entrer dans l'éternité. Et là, il y a un être qui existait. Comment est-ce qu'un être comme ça, tu vas venir lui expliquer, l'expliquer aux hommes? Comment est-ce que vous allez les saisir? Comment est-ce que vous allez les comprendre? Il est trop grand pour que nous puissions les saisir. Amen. Amen. Il est tellement grand que, regardez, il a prononcé la parole et les choses qui existent sont arrivées à l'existence. Amen. Mais frère, moi j'ai déjà du mal de pouvoir me mettre au point une petite chose là. Vous savez, il y a parfois j'essaie de faire quelque chose et puis je n'y arrive pas. Je n'arrive pas et je n'arrive pas. Et je recommence et je n'arrive pas. Amen. Mais ça c'est moi, c'est l'homme. Mais cela n'est pas la même chose que notre Dieu. Amen. Dieu, juste quand il a prononcé la parole, la chose était là. Amen. 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 Parce que la Bible déclare qu'il a mis à l'existence tout ce qui existe. Et tout existe par la puissance de sa parole. Amen. Et il est non seulement grand, mais il n'existe pas dans les temps. Nous vivons dans les trois dimensions ici. Mais Dieu est dans l'éternité. Mais dites-moi une personne qui est placée ici dans les temps, il va comprendre un être éternel. C'est comme ça que nous disons que nous ne cherchons pas à comprendre Dieu parce que nous ne les comprendrons quand même pas. Et il nous a placés ici de manière à ce que nous ne serons pas capables de les comprendre. Ce qu'il dit, nous disons Amen. Et nous avançons. Amen. Ce qu'il dit, nous disons Amen. Et nous avançons. Et c'est pour cela, parce qu'il est tellement grand, que lorsque tu fais des choses, tu arrives avec des choses que tu sens encore comprendre comment ça marche. Alors là, ben Dieu qui est tellement grand, si tout tu arrives à expliquer et que tu comprends tout, mais alors moi, la grandeur de Dieu là est peut-être encore relative. Tu vas aller sur des choses que tu comprends, jusqu'à ce que tu ne comprends pas, et puis pour que tu dises ça, c'est Dieu qui l'a fait. C'est quelque chose que tu ne sais pas expliquer. Amen. 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 C'est comme ça que la fournaise a été chauffée. Et les enfants hébreux sont allés, on les a plongés là-dedans. Mais dis-moi, frère, une fournaise qui est chauffée avec un être humain dans cette chair, tu vas sortir de là? Non. Mais tu seras carbonisé dans les secondes. Amen. Parce que je suis sûr que la puissance du feu de la fournaise est d'autant de fois plus forte que le four crématoire dans lequel on brûle les hommes. Amen. Vous savez, il y a des fours crématoires parce qu'il y a des incinérations, des incinérateurs où on incinère non seulement les êtres humains, mais on arrive à incinérer même des aiguilles et des choses hein, métalliques. Mais frère, le feu de la fournaise a été chauffé. Et là, Dieu a laissé ses enfants entrer là-dedans et ils sont sortis sains et saufs. Amen. Ils sont
ce n'est pas les êtres humains ne peuvent pas comprendre ça. Et ça, c'est Dieu. Mais Dieu a une puissance suffisante pour pouvoir le faire. Une fournaise, c'est simplement un symbole. Que toi aussi qui es assis ici. Amen. Toi aussi qui es assis ici. Tu vas dire des problèmes. Vous allez pleurer des problèmes des papiers. Est-ce que c'est ça que Dieu n'est pas capable de résoudre? Tu es malade? Est-ce que c'est ça que Dieu n'est pas capable de résoudre? Est-ce qu'il y a un enfant qui n'écoute pas? C'est ça que Dieu n'est pas capable de résoudre? Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, alors cela reste dans le domaine de Dieu. Quand vous savez qu'ici l'homme ne sait plus rien faire, alors amène ça à Dieu. Amen. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Amen. Et donc la fournaise était chauffée. Alors, et la Bible déclare ici, donc c'est sa première ici. La première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Et comme il était tellement grand pour se révéler aux gens, comment est-ce que Dieu allait faire? Parce qu'il est infini. Toi, tu es ici dans les temps, comme toi et moi ici. Dis-moi comment l'infini va se révéler devant toi. C'est comme ça qu'on peut comprendre que les gens ne comprennent pas Jésus-Christ, c'est qu'ils ne comprennent pas que c'était Dieu qui était devant eux. Amen. 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 Parce qu'un être infini. Alors, lorsqu'on dit que tout a été fait par lui, et la Bible déclare en lui que tout a été fait. Il est venu dans les temps, même les temps ont été faits en lui. Amen. C'est-à-dire que la personne de Jésus, comme il était là, même les temps étaient en lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le monde dans lequel il était venu était en lui. Amen. Le soleil était en lui. Amen. La lune en lui. Amen. Tout était en lui. Amen. Amen. Tout était en lui. Alors, quelqu'un comme ça, comment est-ce qu'il va, il va se révéler chez un être humain? Alors, la seule chose qu'il a fait, c'est de pouvoir se condenser. Se condenser, et devenir comme ça un être humain. Amen. Parce qu'il voulait se révéler. Amen. Un être humain sur la terre. Amen. Amen. Et la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est ça. Alors, quand Dieu a créé, il a créé les cieux et la terre. Il a créé tout ce qui est dans le visible et tout ce qui est dans l'invisible. Et frère Branham dit, quand la parole a commencé la création, quand il a créé tout ce qui est dans l'invisible, il a créé les anges, il a créé un homme spirituel. Amen. Qu'il a pris et qu'il a mis ici, sur la terre, dans une motte de terre. Amen. Qu'il avait formée. Pour qu'il soit ici. Et alors, il était là, un être esprit, dans un corps de chair. Il était là, mais l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, Dieu s'est condensé, il s'est condensé pour prendre l'image de l'homme. Amen. 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 Prendre l'image de l'homme. Et ici, et la Bible dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Il a été vu des hommes, touché des hommes. Amen. Il a été justifié. Amen. 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 Dieu, sur la terre, vu des anges. Dieu a été touché. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et c'était le Dieu créateur des cieux et de la terre. Oui. Amen, amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un dans sa folie puisse les confondre avec un prophète. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu voulait s'exprimer. Alors, amen. Je vous ai lu la semaine passée qu'en fait, en Christ, il s'est exprimé entièrement. Amen. 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 Parce qu'en Élie, il s'est exprimé. Dans Moïse, il s'est exprimé. Amen. Dans tous les prophètes, il s'est exprimé. Amen. Mais dans la personne de Christ, il s'est exprimé entièrement. Amen. Ce que Dieu voulait que nous puissions savoir, Amen, d'une manière entière et complète, Amen, il s'est exprimé là-bas. Amen. Et quand Christ est parti, frère Branham dit, tout ce qui était en Dieu, là maintenant, il l'a mis dans l'Église. Amen. Et chaque être, je vais vous lire dans les détails. Amen. Et chaque personne qui est dans ce corps de Christ exprime Dieu ici aussi. Amen. Chacun exprime Dieu. Amen. Chacun exprime Dieu. Amen. Et même dans sa place.
plénitude, c'est Jésus-Christ qui l'a exprimé. Amen. Donc, Jésus-Christ n'est pas un homme à comparer avec un autre homme. Amen. Il était Dieu. Amen. Alors, écoutez, il ne pouvait pas le faire. En tant que grand Dieu, Jéhovah, qui couvrait tout l'espace. Je vais vraiment aller très rapidement là pour passer au deuxième point. C'est ce qui me concerne le plus aujourd'hui. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Jéhovah, qui couvrait tout l'espace, le temps, l'éternité. Il ne pouvait pas. Il est trop grand pour pouvoir être révélé aux gens. Parce que ça serait trop mystérieux. Amen. Comment est-ce que ce grand être qui n'a jamais eu de commencement, après que vous avez dépassé les cycles de centaines de milliards, de billions et de billions d'années-lumière dans l'espace, et que vous avez continué jusqu'à dans l'infini, amen, amen. Dans l'éternité, il y a une glorieuse créature qui était tout ça et qui l'est toujours. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Amen. Mais ce qu'il voulait faire, c'est qu'il aime la paternité. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Dieu aime la paternité. Amen. Il n'y a jamais eu de père sans enfant. C'est vrai. Amen. Et si Dieu existait par lui-même, et qu'il était un être qui existait par lui-même dans l'éternité, alors, lorsque Jésus-Christ, la parole, le logos, est sorti de lui, il devient une création de l'éternité. Amen. Il est le premier-né de toute création. Amen. La première qui a commencé, c'est comme ça qu'on l'appelle le Fils. Amen. Parce qu'il est engendré de l'éternité. Amen. Amen. Le Fils est engendré. C'est qu'on appelle un fils. Mon fils, ma fille, c'est quelqu'un qui a été engendré de moi. Amen. Amen. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle fils. Le logos était le fils de Dieu. Amen. Parce qu'il est sorti de lui. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé le fils. Et la Bible, et frère Branham dit, mais ce qu'il voulait, il aimait la paternité. Car il était un père. Amen. Mais s'il est un père, s'il n'y a pas d'enfant, c'est clair que tu ne peux pas être un père sans enfant. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela, c'était de devenir un fils. Amen. Un homme. Amen. Donc, Jésus-Christ est le fils de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je vais aller tout doucement là, comme ça, pour que vous puissiez saisir, que vous puissiez comprendre. Donc, cet être éternel qui est Dieu, qui vit dans l'éternité, et qui, de l'éternité, évidemment, il a des attributs en lui, la paternité en lui, il doit avoir, pour être père, un fils. Mais le premier qui est sorti de lui, en fait, la première création, parce qu'il est le premier né de toute la création, que ce soit ici sur la terre, ici, que ce soit dans les cieux, parce qu'au commencement était la parole. C'était la parole qui était la première chose mise au point par Dieu, le Logos. Et c'était le Fils de Dieu. Et ce Fils, on l'appelle Fils parce qu'il est engendré du Père. Et donc là, il est le Fils. Et ce Fils, parce que c'était Dieu lui-même, il s'est fait un corps. Il s'est fait un corps dans lequel il devait venir sur la terre, ici venir habiter sur la terre. Et dans le sein de Marie, il est entré là-bas et il a créé une nouvelle cellule de sang. Et là, il s'est formé un corps. Et la Bible dit qu'il s'est formé un corps. Il est venu sur la terre, juste, on l'a appelé le Fils de Dieu. Lui, le prophète éternel, on l'a appelé le Fils de Dieu. Mais dans ce corps qui n'est pas né d'un désir sexuel, c'est là que le Dieu Tout-Puissant lui-même, qui est infini, amen, qui est éternel, qui n'a ni commencement ni fin, pour se faire connaître aux hommes que nous sommes ici, dans la dimension naturelle, il est entré là-dedans.
Amen. Il est entré là-dedans, dans ce corps qui a été formé. Mais là, cet être-là renfermait toute la divinité était en lui. Amen. Parce que toute la divinité était en lui et tous les attributs. Amen. Tout ce que les prophètes ont exprimé se trouvait en lui. Amen. 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 Tout ce que les prophètes ont exprimé. Parce que si vous allez prendre David, nous savons que David a exprimé Christ. Amen. Nous savons que Moïse a exprimé Christ. Nous savons que tous les prophètes, chacun à son niveau, a exprimé Christ. Amen. Mais ils ont exprimé Dieu d'une manière partielle. Amen. 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 Vous allez dire, même Frère Branham. Frère Branham dit, j'ai tous les dons, mais je n'ai pas la patience d'être un pasteur. Vous comprenez ça? Amen. Il était pasteur de Branham Tabernacle. Mais il le répète à plusieurs reprises, il dit, je n'ai pas la patience, je ne peux pas être un pasteur, parce que je n'ai pas la patience d'un pasteur. Il n'avait pas les dons de pasteur, Frère Branham. Mais c'est un prophète. Le prophète, il est révélateur de la parole. Amen. Amen. Parce que, bon, moi je n'ai pas encore lu là où il est, le pasteur de l'âge. On dit pasteur de l'âge parce qu'on comprend bien dans le sens où les gens disent ça, parce qu'on doit prendre la parole qu'il a prêchée pour pouvoir, si nous devons prêcher la parole, le message qu'il a prêché. Mais le pastorat, c'était un don. Amen. C'était un don qui demande beaucoup de patience, de la manière de traiter avec les gens. Frère Branham disait, je suis tout, mais je ne suis pas un pasteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu ça? Il n'est pas un pasteur. Il pouvait révéler la parole, il n'est pas un pasteur. Mais Jésus-Christ était un pasteur. Amen. Amen. Jésus-Christ était un pasteur. Parce qu'en lui, Frère Branham dit, il avait tous les dons de ce qu'il y a dans l'église. Il est prophète, pasteur, apôtre, évangéliste. Tous les ministères, Jésus-Christ les remplissait. Amen. Amen. Et même tous les offices dans l'église, Jésus-Christ l'a fait. Amen. Amen. Il peut tout faire, il peut tout remplir. Parce qu'il remplit toutes choses. Mais cela, il n'y a que lui et lui seul qui l'a fait. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Donc, le Fils, il est le Fils parce qu'il est engendré de Dieu. Et c'est Dieu éternel voulait se manifester, se révéler. Mais il aimait la paternité. Je reviens au paragraphe 143. Le seul moyen pour lui d'exprimer cela, c'était de devenir un fils, un homme. Et c'est pour ça que Jésus disait constamment le fils de l'homme. Voyez, ils ne savent pas de quoi il parlait. Beaucoup d'entre eux. Mais maintenant, vous saisissez. Voyez, il voulait s'exprimer. C'était l'action. Un de ses trois grands desseins. De s'exprimer, de s'identifier avec les êtres humains, de se révéler en Christ. Amen. De se révéler en Christ. Ça, c'était le premier. Et donc, nous savons aujourd'hui que si Dieu est devenu un homme dans la personne de Jésus-Christ, parce que c'était le seul moyen par lequel il pouvait se faire connaître aux êtres humains. Parce que dans toute sa grandeur, il est impossible qu'il se fasse connaître. Et le deuxième dessein de Dieu, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, ce matin, le deuxième dessein de Dieu, c'est d'avoir la prééminence dans son corps des croyants, c'est-à-dire son épouse, pour pouvoir vivre dans les gens. Amen. Amen. Le deuxième grand dessein de Dieu, c'est d'avoir la prééminence. Et c'est ce que nous entendons, nous prions beaucoup ici. Nous disons, ta prééminence. Avoir l'autorité sur les hommes. Prendre la direction et diriger, conduire les hommes. Et ça c'est le dessein de Dieu. C'est de pouvoir trouver aujourd'hui les hommes et les femmes qui peuvent soumettre leur volonté à la volonté de Dieu. Le premier dessein, il vient, il se fait connaître. Après, par
ses moyens, il rachète l'être humain. Pour que par ses moyens, il puisse diriger, conduire l'homme. Parce que frère Branham dit, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, après qu'il est parti, il a établi une église. Et l'église que Jésus avait établie, c'est l'église, une église du Saint-Esprit. Amen. Il a laissé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse conduire l'église. Amen. 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 Que le Saint-Esprit puisse conduire l'église. Amen. Alors cette église, ce n'est pas une congrégation locale. Non, monsieur. C'est le corps de Christ. Ce corps glorieux pour lequel il vient. Il va venir chercher ses corps pour aller dans la gloire. Nous aujourd'hui, nous attendons que Jésus vienne. Amen. Nous attendons que l'enlèvement s'efface. Lorsque nous attendons, il ne viendra pas prendre toutes les églises locales. Il viendra prendre ce qu'il attend. Amen. 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 Il dit, et ce deuxième dessein, c'est qu'il voulait que l'homme puisse, évidemment, qu'il puisse prendre la prééminence, qu'il puisse dominer. Comme on parle de la tête. J'ai parlé tout à l'heure de la tête, parce que la tête, lorsqu'il y a un corps, il faut qu'il y ait une tête pour tomber. La tête d'une entreprise, c'est le directeur qui dirige cette entreprise. Amen. Amen. Quand on dit la tête de l'église, le pasteur est la tête de l'église locale. Amen. Amen. Quand on parle de la tête, c'est celui qui assure la direction. Amen. C'est lui qui conduit. Amen. Amen. C'est lui qui conduit tous les jours. Donc, quand on parle dans la Bible de la tête et du corps, nous savons que tous les jours, c'est votre tête qui vous conduit. Amen. Si vous avez la vertige, vous ne saurez plus marcher. Amen. C'est votre tête qui vous dit, va à gauche, va à droite. Votre tête qui vous dit, maintenant frère, quand la tête vous conduit de faire un geste, il faut que le bras puisse se soumettre et puisse exécuter la volonté de la tête. Amen. Pour justement qu'on puisse dire, c'est la tête qui conduit. C'est vrai. Alors regardez, par exemple, la tête peut donner un ordre. Et qu'est-ce que les hommes ont fait, par exemple, par rapport à la science? Ils ont fait, par exemple, l'anesthésie. C'est ça. L'anesthésie déconnecte les membres de la tête. C'est ça. Vous comprenez? Amen. C'est quelque chose qui déconnecte un membre de la tête. Ils ont mis tout un tas de choses. Alors, à un certain moment, tu peux dire au bras, la tête va commander, je lève mon bras. Les bras ne sait pas, ne se lèvent pas, parce que la tête est déconnectée du corps. Amen. Il faut que le corps soit connecté à la tête pour que la tête puisse assurer la direction. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Je vous parle de ça comme ça par des exemples de la vie de tous les jours pour que vous puissiez les comprendre. Et alors, maintenant, une personne comme ça, juste comme quelqu'un qui est paralysé. Voilà. Quelqu'un qui est paralysé, les membres est déconnecté aussi de la tête. Amen. Les messages que la tête va envoyer vers le corps, vers les membres ne savent pas l'exécuter. Et comme ça, ces membres-là peuvent brûler ici au feu. La sensibilité n'est pas là. Donc, la communication ne se fait pas avec le cerveau, avec la tête. Donc, il y a un problème de coordination. Il faut que la tête assure son rôle de conduire le corps. Amen. Amen. Il a dit que nous sommes les corps. Regardez, je vais vous lire. Dans 1 Corinthiens. Comment est-ce que nous allons entrer dans ce corps? Parce que je vais entrer par là. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Verset 13. La Bible dit ceci. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Amen. Amen.
soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Alors, donc, vous comprenez qu'évidemment, lorsqu'on parle du corps, le corps qui est conduit, dont la tête conduit, c'est tout le monde qui se trouve baptisé dans un seul esprit. Amen. Cela, il n'y a qu'un seul, une seule tête qui les conduit. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la parole. Et il conduit. Alors, le Saint-Esprit dira, allez à gauche, vous allez à gauche. Allez à droite, vous allez à droite. Allez au centre, vous allez au centre. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'une personne devienne Amen. Prisonnier de l'Esprit. Amen. Ce que l'Esprit dit, c'est ce qu'il fait. Amen. Et l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette parole est esprit et vie. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lorsque nous parlons du corps local ici, nous sommes l'église locale. Nous formons un corps. C'est-à-dire que nous sommes des membres des uns des autres. Parce que nous sommes un rassemblement des gens avec un pasteur qui nous conduit. Et donc, ici, nous obéissons aux directions qui sont données. Et c'est la même chose par rapport au Saint-Esprit. Quand Dieu a établi son église, Dieu a établi une église du Saint-Esprit. Amen. Afin que le Saint-Esprit conduise. Amen. Pour que lui-même, le Saint-Esprit, soit la tête qui conduit les corps. Amen. Alors il dira, faisons comme ça. Nous allons faire ça. Nous allons aller à gauche. Nous allons aller à droite. Et une personne qui est dans ce corps obéit Amen. À la direction de la tête. Amen. 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 Nous sommes ensemble. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a établi. Frère, si nous avons lu dans Colossiens qu'il est la tête du corps, son corps, c'est l'ensemble des personnes qui se trouvent là conduites par l'Esprit. Amen. Amen. Conduites par l'Esprit. C'est pour ça qu'il dit que si, comme il a dit, l'apôtre Paul dit, parce qu'il vit, moi aussi je vis. Amen. 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 Et si vous continuez à lire le livre des Colossiens, il va dire plus tard, mais Christ en moi, espérance de la gloire. Amen. 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 Il faut Christ en moi, espérance de la gloire. C'est ça, la tête qui conduit. Amen. Le corps obéit. Et c'est ça, la prééminence, le pouvoir, l'autorité, la direction de conduire toute chose. Amen. Dieu ne te conduira pas. Ou il aura du mal de te conduire si tu n'as pas son esprit. Amen. C'est pour ça qu'il dit que tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. 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 Alors, écoutez. Et donc il dit, c'est ça. Or, il avait pu le faire. Non. Je reviens donc au 44. Donc d'avoir la prééminence dans son corps de croyants, c'est-à-dire de son épouse, pour pouvoir vivre dans les gens. Vous voyez? Son but, c'est de pouvoir vivre dans les gens. Qu'ils vivent en toi. Qu'ils vivent en toi parce que vous comprendrez que quand il vit en toi, ce n'est pas toi qui vis. Ce n'est pas toi qui t'exprimes. Il s'est exprimé dans la personne de Christ. De la même manière que je vous disais ici qu'il s'était exprimé dans chacun des prophètes, il va ensuite s'exprimer dans chacun de vous parce que c'est Christ qui s'exprime en vous. Amen. Amen. Ce n'est plus tous les bricoles que nous pouvons faire. Je vais essayer de faire ça pour rendre un service à Dieu. On n'arrive pas à des choses parce qu'on essaie de faire des choses par nous-mêmes. Il faut qu'une personne arrive à soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Amen. Et dire comme Jésus-Christ, non, maintenant ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Amen. Et quand il te conduit, il s'exprime. Amen. Amen. Il s'est exprimé en Christ, il doit s'exprimer à travers toi. Les corps, pourquoi? Parce que c'est lui qui vit en toi maintenant. Amen. Alors, écoutez. Paragraphe 145. Or, ça, il avait pu le faire dans Adam et Ève. Mais le péché les avait séparés. Donc maintenant, il fallait un moyen pour retrouver ça. De toute façon, il avait déjà fait. Il a conduit Adam et Ève.
Et frère Branham dit, il aurait bien pu continuer à les faire dans Adam et Ève. Mais à un certain moment, son programme s'était interrompu par les péchés. C'est ça. Et maintenant, il doit restaurer. Il doit restaurer. Il doit faire en sorte que l'homme redevienne. L'homme récupère les droits qu'il avait perdus. Et il veut maintenant revenir dans l'homme pour que maintenant, ce programme qui s'était interrompu, et ce programme-là, il l'a interrompu dans un but. Dans un but. Et le but, c'est quoi? Parce que, comme on avait dit ici tout à l'heure, qu'il voulait avoir la paternité, mais il est aussi un sauveur. Il fallait que ce programme soit interrompu pour que l'attribut du sauveur puisse aussi s'exprimer. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que si il n'était pas venu dans la personne de Jésus-Christ, eh bien, l'attribut du Fils ne s'exprimait pas. Amen. La même chose, si le péché n'avait pas interrompu le programme qu'il avait avec Adam et Ève, son attribut du sauveur ne se manifestait pas. Amen. Donc, chaque chose est mise en place dans un but spécial. Amen. Et dans un but précis. Amen. Amen. Donc, la chose la plus déplorable, ce n'est pas que vous soyez né sur cette terre et que vous soyez né pécheur et que vous ayez marché, dans le péché. Parce que la Bible déclare que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous venus dans ce monde menteurs. Amen. Amen. Mais il y a un moyen que Dieu a donné à mis en place. Amen. De manière à ce que Amen. Maintenant, Amen. Qu'il puisse reprendre la prééminence sur l'homme et qu'il puisse encore reconduire l'homme comme il a fait dans le jardin d'Éden, les péchés ayant interrompu son plan. Maintenant, c'est ce que l'homme doit faire. Et c'est que là où Dieu rend l'homme coupable aujourd'hui, c'est que parce qu'il a mis en place un moyen, mais quand l'homme ne veut pas se saisir du moyen que Dieu a mis en place, c'est là que l'homme devient coupable. Amen. 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 Donc, le fait qu'une personne, tout ce que tu as fait sur la terre et dans ce monde, nous sommes venus sur la terre des pécheurs, tous. Et tous coupables. Mais Dieu a prouvé un moyen. Parce qu'il voudrait maintenant encore, évidemment, que l'homme puisse retrouver cette communion qu'on avait auparavant. Et c'est tout à fait normal que cela soit arrivé. Parce qu'il a fallu que son attribut de sauveur soit manifesté. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Donc, vous voyez? Il dit, vous voyez, quel était le dessein de Dieu? Or, pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève comme ça? C'est qu'il n'aurait jamais pu exprimer sa plénitude. Vous parlez de la plénitude? Amen, amen. Écoutez-moi bien. Merci Seigneur. Vous parlez de la plénitude? Amen, amen. Le fait de pouvoir sauver les Alléluia. Gens, ça fait partie de, la plénitude. De ce qui est dans la plénitude amen. De la divinité. Amen. Amen. Ça, il n'y a personne qui a le pouvoir de le faire. Alléluia. Et si merci, Seigneur. La faculté de sauver l'homme amen, amen. N'est pas dans un autre être humain, c'est que cet être humain n'a pas la plénitude. Amen. Écoutez, je vais vous le relire ici. Or, pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève comme ça? C'est qu'il n'aurait jamais pu exprimer sa plénitude. Amen. Exact. Amen. Que quelqu'un d'autre puisse exprimer la plénitude s'il a la capacité de sauver. Oh Seigneur. Amen. Amen. Ce qui fait qu'évidemment, il n'y a qu'un seul être dans lequel la plénitude a habité. Parce qu'il a en lui l'attribut du sauveur. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. 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 Écoutez, c'est tellement beau, je vais le relire parce qu'il va le continuer encore. Il dit. C'est qu'il n'aurait jamais pu exprimer sa plénitude. La totalité de son attribut. Amen. Parce que quand on parle de la plénitude, c'est ça. La totalité de son attribut. Amen. Merci Seigneur. Quel est cet être qui peut exprimer la totalité de son attribut? Il n'y a personne. Il n'y en a qu'un seul qui a pu exprimer la plénitude et la totalité
de la tribu de Dieu, amen, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. En effet. Merci Seigneur. En effet. En effet. Là, il aurait pu être un père. C'est vrai. C'est vrai. Créateur. Mais. Amen. Il est aussi un sauveur. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble, frère? Amen. J'aimerais que le peuple qui est ici sache qu'ils ont un sauveur. Amen. Peu importe même dans combien le péché t'a venu, combien le péché t'a mis par terre, amen, combien le diable a dominé sur toi, tu dois savoir que tu es un sauveur. Amen. 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 Et en lui habitait la plénitude de la divinité. Amen. Parce que la tribu du sauveur, alléluia, la totalité habitait en lui. Amen. Parce que c'est lui en qui, amen, la tribu du sauveur a habité, elle est seule qui avait la tribu de la divinité. Parce que la tribu du sauveur fait partie de la plénitude. Divinité. Amen. 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 Alors, il dit, vous dites, comment? Comment le savez-vous? Écoutez. Maintenant, si vous dites aujourd'hui, si vous dites aujourd'hui que Jésus-Christ est mon sauveur, frère Branham dit, comment le savez-vous? Amen. C'est ça? Merci. Il est, parce que j'en ai fait l'expérience. Amen. Alléluia. Yes, sir. Amen. 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 Parce que j'en ai fait l'expérience. Ici, je parle au corps de Christ. Seigneur. Amen. 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 Est-ce que vous allez bien? Amen. Amen. La Bible dit, nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. 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 Vous pouvez parler de la plénitude de la divinité. Tu peux parler de la plénitude de la divinité. Amen, 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 amen. Parce que d'autres personnes le disent. Amen. 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 Parce que d'autres personnes le disent. Amen. Mais je sais qu'en lui habite d'une manière corporelle la plénitude de la divinité. Parce qu'il est un sauveur. Et je sais qu'il est un sauveur. Pourquoi? Parce que j'en ai fait l'expérience. C'est pour ça que je disais ici pendant la veillée. Amen. Je disais ceci pendant la veillée. Avec Abraham. Il est notre père dans la foi. Amen. Amen. Abraham est notre père dans la foi. De la même chose qu'on parlait ici, des œuvres et de toutes ces personnes, évidemment, qui sont arrivées devant la mort. Devant la mort, ils sont arrivés et juste comme les Hébreux disaient, quoi qu'il arrive, je ne vais pas fléchir mes genoux, je vais entrer dans le feu. Mmh. Il ne craignait pas la mort. Non. De la même manière, Abraham, devant la mort, il disait, je sais que Dieu est puissant assez pour pouvoir ressusciter la mort. Amen. Amen. Alors, et frère Branham dit ceci. Écoutez-moi bien. Frère Branham dit ceci. Abraham, quand il dit, je sais que Dieu a suffisamment de puissance pour pouvoir ressusciter les morts, parce qu'il dit, il a passé une expérience. Et quelle était l'expérience d'Abraham? C'est parce qu'Abraham savait que dans son propre corps, son corps était complètement mort. Il n'y avait pas de vie en lui. Et alors, la vie, Dieu a fait revenir la vie en lui. Alors quand il arrive devant la mort, il n'a pas peur. Amen. Parce qu'il sait qu'il a une expérience, sachant que Dieu a déjà ramené la vie en moi. Donc s'il me demande de pouvoir ramener mon fils qui est ici sur le bûcher, s'il faut que je le décapite, comme j'ai déjà fait en moi-même l'expérience de la mort, je sais que Dieu peut ramener la vie. Amen. 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 Et frère Branham dit ceci. Juste pour revenir, il faut recouper la même chose. Amen. Recouper les choses. Et frère Branham dit ceci. Quand il voulait arracher à Abraham son fils, il dit, il voulait lui montrer, il voulait détacher complètement
complètement, complètement l'espoir d'Abraham sur quelque chose, une preuve matérielle. Vous comprenez? Amen. Il voulait détacher son espoir sur une preuve matérielle. Il voulait qu'Abraham, même sachant que la seule preuve matérielle que j'ai, par laquelle Dieu va accomplir sa promesse, il me dit de l'éliminer. Je sais que Dieu, que c'est toujours Dieu, même si je n'ai plus de preuve matérielle, Dieu est capable d'accomplir sa promesse. Nous sommes ensemble. C'est ça, frère. Il faut que vous puissiez détacher tout votre espoir sur les preuves matérielles. Amen. Il dit, je vais te donner un test. Le test, c'est que je vais enlever toutes les preuves matérielles. Frère, un enfant de Dieu n'a pas à regarder sur aux preuves matérielles. Dites-moi si Shadrach, Meshach, Abednego avait regardé aux preuves matérielles pour sortir de du feu. Évidemment, la chose n'aurait pas tenu. Mais frère, nous ne regardons pas aux choses visibles. Notre espoir est fondé sur les choses invisibles. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Je sais, frère, que même si je n'ai pas de preuves plus tangibles, matérielles, mais Dieu est Dieu. Amen. Dieu reste toujours Dieu. Même si je ne comprends pas par des calculs comment cela arrivera, mais Dieu est Dieu. Il faut qu'il détache complètement votre espoir sur des preuves tangibles, sur des preuves matérielles. Juste pour que vous puissiez compter sur Dieu. Je sais qu'ici, je ne sais pas comment ça va arriver, mais je sais que Dieu le fera. Amen. Nous sommes ensemble. Alors, comment est-ce que tu sais que Dieu est vrai? C'est là que nous voulons amener chaque personne, chaque enfant de Dieu, frère. Ça, c'est le dessein de Dieu. Amen. C'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu. Ce qu'il puisse se révéler, il y a un triple dessein. Le premier, c'est qu'il est venu comme un homme sur la terre. La plénitude de la divinité condensée dans un être humain, il s'est exprimé. Amen. Mais maintenant, il veut s'exprimer en vous. Amen. Ça, c'est le dessein de Dieu. Maintenant, si vous êtes, si vous partez par un autre programme, c'est clair que vous n'arriverez pas. Amen. Si vous partez par un autre programme, et si vous ne mettez pas sang dans votre tête, c'est qu'évidemment, vous ne comprenez pas le dessein de Dieu. Parce que, comme je vous ai dit, tout, écoute, il n'y a rien qui a la faculté ou la capacité de s'accomplir, sinon le dessein de Dieu. Il n'y a personne qui va aller à l'enlèvement, sinon par les moyens que Dieu a prévus. Amen. Donc, le deuxième dessein, c'est qu'il veut s'exprimer par vous. Amen. Dieu veut s'exprimer par vous. Parlons. Il veut le faire par un être humain. Vous allez dire, mais ça c'est trop grand. Oui, frère. Il a dit demander des grandes choses. Amen. Demander des grandes choses. En fait, c'est ça les grandes choses. Amen. La vie éternelle. Amen. Dieu dans l'homme. Amen. S'exprimant dans l'homme. Amen. Ça c'est les grandes choses. Amen. Alors, il dit, comment le savez-vous? Mais c'est parce que j'en ai l'expérience. J'en ai l'expérience. C'est comme ça que je vous disais, frère. Chaque personne qui est ici, tu sais que tu as commencé avec Dieu quelque part. Amen. Amen. Comme je disais, le témoignage de notre sœur là, la Noire, qui disait, je sais que ce que je dois être, je ne le suis pas encore. Mais je sais une chose, c'est que je ne suis plus ce que j'ai dit. Amen. Amen. Frère, écoutez-moi bien. Nous avons ici, je disais pendant la veillée, nous avons des jeunes filles qui sont ici. Vous avez des jeunes enfants. Dis-moi dans ce monde où vous allez trouver une jeune fille de 25 ans, vierge, qui se promène. Ça n'existe pas. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu est en train de faire un travail. Amen. Dieu a commencé un travail, il fait un travail avec toi. Amen. Regarde tout simplement comme la vie a commencé à revenir dans le corps d'Abraham. Amen. Juste petit à petit, la vie revenait. Et la vie était là. La vie était dans son corps. Des choses que les gens dans ce monde font que vous ne faites pas. Amen. Ou ce que vous faisiez autrefois,
Mais maintenant, vous ne le faites plus. Amen. Et il a commencé un travail quelque part. Amen. Frère, reste sur l'expérience de ce qu'il a fait Amen. Dans ta vie. Amen. 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 Abraham est resté sur l'expérience dans son propre corps. Amen. Alléluia. Je sais que lorsqu'il y a dans le monde des endroits où les gens vont aller veiller dans des clubs de nuit, je n'ai pas envie d'aller. Qui a enlevé cette envie de moi? C'est Dieu. Amen. Et si Dieu a enlevé cette envie, il peut faire encore autre chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il y a une expérience personnelle que chaque être doit lui-même. Amen. Seigneur, je sais que tu as commencé ici. Et jusqu'à ce que Dieu puisse s'exprimer pleinement. Amen. Jusqu'à ce que Dieu puisse s'exprimer pleinement. Amen. Mais le désir de Dieu, c'est de pouvoir s'exprimer dans l'homme. Amen. Amen. Ne vous trompez pas. Amen. Amen. C'est qu'il puisse s'exprimer. Parce que le reste, aller dans la gloire et toute la réconciliation, tout ce que nous faisons, c'est le troisième point. Amen. Il y a un deuxième point, c'est qu'ici sur la terre, Dieu veut s'exprimer Amen. En vous. Amen. C'est dans le triple dessein de Dieu. Oui, oui, oui. Amen. Amen. Vous voyez, il est un sauveur. Il fallait qu'il s'exprime. Et comment pouvait-il le faire? Uniquement par Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui était associé dans cette mission? Non. Mais vous savez, William Branham, quand il parle, il utilise des termes précis. Amen. Il dit uniquement par Christ. Il ne faut pas associer à Christ cette mission, frère. Amen. Il dit uniquement par Christ. Donc, c'est-à-dire, la mission du Sauveur, c'est uniquement par Christ. Comment pouvait-il être un guérisseur? Écoutez bien. Uniquement par Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'y a pas de guérisseur en dehors de lui. Il ne dit pas, il dit uniquement par Christ. Amen. Il dit, voyez, toutes choses se retrouvent dans cette personne-là. Amen. Il dit, toutes choses se retrouvent dans cette personne-là. C'est pour ça qu'il dit la plénitude se trouve en lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Tout ce que vous pouvez vous imaginer se trouve dans cette personne-là. Amen. Si tu veux la guérison, cela. Si tu veux le salut, cela. Amen. Il n'a pas d'associé. Amen. 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 Et frère madame dit, oh là là. Oh là là. Amen. Il dit, quand j'y pense, Amen. Alléluia, je vois les dénominations disparaître. Amen. Je vois les dénominations disparaître. C'est vrai. Frère, Alléluia. Suivez bien William Branham là. Amen. C'est là où les dénominations vont disparaître. Amen. Et que toute personne Alléluia. Qui va prêcher autre chose Alléluia. Que ça, Alléluia. Amen, il disparaît. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Il disparaît. Avec sa théologie. Amen. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est que Dieu Alléluia. A un triple dessein. Le premier, il s'est exprimé pleinement dans la personne de Christ. Amen. Il n'a pas d'associé là-bas. Amen. Il a rempli toutes ses missions. Et secondo, il veut s'exprimer dans les hommes. Amen. 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 Mais les dénominations ne vont pas croire à ça. Amen. Les gens vont expliquer, ils vont expliquer les choses. De toute façon, ce n'est pas possible parce qu'on s'imagine des choses impossibles. Amen. Mais frère, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Amen. 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 Ce que vous devez savoir quand vous êtes là, que Dieu veut s'exprimer Amen. En Amen. Vous. Amen.
et que cela fasse l'objet des recherches. Seigneur, comment vas-tu les faire? Alléluia. Ce n'est pas ton problème. Amen. Il va les faire. Amen. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme on a lu, il est la tête. Amen. Vous êtes des corps. Amen. Mes frères, c'est la tête qui dit fais ça, fais ça, fais ça. L'esprit te conduit. Et c'est l'esprit qui te dit fais comme ça. Et l'esprit de Christ est lui. C'est l'esprit qui va s'exprimer. Qui va s'exprimer partout. Il y a des choses que nous pouvons essayer de faire par nous-mêmes. Mes frères, ce n'est pas un problème des hommes ici. Dans son triple dessein, il veut le faire. Soumets-toi tout simplement. Amen. Écoutez. J'y pense. Il dit les dénominations disparaissent de la scène et tous les restes se retirent. Voilà. Vous voyez, quand je vois les grands desseins de Dieu, c'est révélé à voir premièrement, c'est révélé en Christ. Et Frère Bonhomme dit la plénitude de la divinité corporellement. Mais comment est-ce qu'il va dire cette chose-là? Il va les répéter. Il faut vraiment faire exprès pour ne pas vouloir écouter. Après, tu vas changer, tu vas dire autre chose. Il dit, il est la plénitude de la divinité corporellement. Et ensuite, amener cette plénitude de la divinité corporellement dans un peuple. Amen. Amen. Amenez cela dans un peuple. Afin d'avoir la prééminence, la surveillance, la direction. Amen. Qui nous conduit? C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Quand il parle de la tête, c'est la tête qui dirige les corps. On ne peut pas être conduit par autre chose que l'Esprit de Christ. Tous les jours, tu te lèves. L'esprit qui me conduit. Frère, il t'est conduit à gauche. Parce qu'ici, je vais essayer vraiment d'arriver assez rapidement dans Paul prisonnier. Quand l'esprit lui disait à gauche, c'est à gauche. Amen. À droite, c'est à droite. Mais frère, c'est une personne comme ça qu'on peut dire que les corps suivent les directives de la tête. Amen. Parce qu'il suit. Va à gauche. Va à droite, fais ça. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu est prêt ici pour prendre chaque être sous contrôle, la prééminence. Ça, c'est le deuxième dessin. Alors, donc il dit, au paragraphe 147, l'autre soir, si vous n'avez pas eu la bande, j'ai prêché ici un soir un prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Paul, un prisonnier. Il dit, voyez, quand Dieu vous amène à être son prisonnier, alors vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que l'Esprit dit de faire. Amen. 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 Lorsque l'Esprit te conduit, tu ne peux plus faire autre chose que ce que l'Esprit te dit de faire. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez, je vais vous dire ceci. Vous avez déjà vu un prisonnier? Vous avez déjà vu un prisonnier? Un prisonnier n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut, sinon c'est que la loi lui oblige de faire. Amen. 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 Tu es en prison. Tu es en prison et tu restes là. Mes frères, les prisonniers de Christ, c'est la chose la plus heureuse qui puisse arriver. Parce que Paul disait que s'il avait tout simplement eu la possibilité, comme Frère Branham le dit aussi, Frère Branham dit, si je pouvais encore 1000 vies, je les vivrai depuis la naissance pour Christ. Amen. 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 En se référant au moment où il s'est converti. Amen. Si je pouvais encore avoir 1000 vies, je vais naître. C'est le faux aussi qui chantait ça. Si on me dit de recommencer ma vie, je vais la recommencer totalement
évidemment en étant en Christ. Amen. Parce que c'est la chose la plus merveilleuse Amen. Qui puisse arriver à un être humain. Amen. Amen. Donc, Paul, un prisonnier de Christ. Alors, vous ne pouvez faire autre chose que ce que l'Esprit dit de faire. Paul, avec toute sa grande intelligence, il a été instruit par Gamaliel, en vue de devenir un jour un grand sacrificateur et un grand rabbin. Il avait de hautes ambitions. Intellectuellement, c'était un grand homme, une grande autorité. Vous voyez les ambitions? Frère, nous avons lu dans Proverbes qu'évidemment, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Amen. L'apôtre Paul ici avait beaucoup de projets. Amen. Il avait beaucoup d'ambitions. Mais il n'y a qu'une seule ambition qui subsiste. Qui peut s'accomplir? C'est le dessein de Dieu. Amen. Il avait beaucoup d'ambitions. Il avait beaucoup de projets. Il voulait devenir un grand souverain sacrificateur. Il était instruit par Gamaliel. Comme nous tous, nous avons beaucoup de projets. On a beaucoup de projets. On a beaucoup d'ambitions. On a notre volonté de pouvoir accomplir beaucoup de choses. Mais frère, laissez simplement être rencontré par la colonne de feu. Amen. Et que la colonne de feu te mette par terre. Alors, les ambitions vont changer. Amen. Amen. Parce qu'alors, en ce moment-là, toutes les ambitions qu'il avait, sa volonté, il l'a abandonné complètement. Amen. Si vous avez abandonné votre volonté pour une première chose, il faut continuer. Amen. Les ambitions que nous avons, notre volonté, vous voyez, c'est peut-être, c'est pas ma volonté de faire certaines choses, mais quand la Bible dit, c'est ça qu'il faut faire. Je vais dire, Seigneur, c'est toi qui as raison, moi j'ai tort. Amen. Pourquoi nous contestons toujours avec le Seigneur? Parce que Dieu veut avoir prééminence, il veut avoir autorité, il veut avoir la direction sur la vie de chacun de nous ici. Amen, pour nous. Amen. Et Paul avait beaucoup d'ambition. Sur le plan intellectuel, nous savons que c'était l'érudit. C'est quelqu'un qui avait beaucoup étudié. Et c'est quelqu'un qui voulait avoir des grands titres. Mais comme Dieu avait décidé qu'il n'en était pas ainsi, il n'en était pas ainsi. Et il en sera ce que Dieu avait décidé. Amen. Et c'est ce que nous devons aussi tous faire. Amen. Un jour, Jésus lui-même racontait, dans tous les grands projets que nous avons et que nous traversons l'esprit, qu'un homme, c'était un jeune homme riche. Vous voyez que la richesse n'amène pas toujours à la vie. Et les biens matériels peuvent amener quelqu'un à être perdu. Amen. Nous cherchons parfois des richesses à devenir riches, mais vous devez être capable de contrôler l'argent, de contrôler la richesse. Amen. La vie ne se trouve pas dans les biens matériels. Amen. Et donc, un jour, il avait beaucoup de projets dans son cœur, la Bible dit. Il avait rencontré Jésus une fois, et Jésus savait que ça n'était pas la chose qu'il fallait pour lui. Il a dit, va tout vendre, viens, suis-moi. Et la Bible dit, il est parti tout triste. Et la Bible déclare qu'un jour, le riche avait tellement accumulé de biens et qu'il avait commencé à réfléchir en lui-même en ayant des ambitions et des projets. Il dit, maintenant, ce qui me reste, c'est de pouvoir des greniers que j'ai ici, je vais les abattre. Amen. Je vais tout fusionner les greniers ici et je vais amasser mes richesses. Est-ce que les projets de l'homme sont les projets de Dieu? Non. C'est pour ça qu'il dit, quand tu fais quelque chose, dis si Dieu le veut. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Si Dieu le veut. Il faut toujours avancer avec ça. Si Dieu le veut, j'irai ici, je ferai telle ou telle chose. C'est Jacques qui me dit ça. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Parce qu'il ne s'accomplira que ce que Dieu veut. Amen. Et nous devons toujours demander d'être dans la volonté de Dieu. Amen. Oh, mon
mon âme, repose-toi en paix. Amen. Vous voyez? Mon âme, repose-toi en paix. Parce que tu as amassé beaucoup de biens. Ne négligez pas la parole de Dieu pour des choses matérielles. Amen. Amen. Vous comprenez? Ne négligez pas la parole de Dieu pour les biens matériels. Alors, mon âme, repose-toi en paix. Et Jésus dit, lui dit, tu es insensé. C'est-à-dire que tu es une personne sans intelligence. Parce que tu dois savoir que tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Il dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Amen. Alors, dans tous nos projets, est-ce que nous pouvons dire, si Dieu le veut? Si Dieu le veut, j'irai, je ferai ça. Parce qu'il n'y a qu'un seul dessein qui s'accomplit, c'est le dessein de Dieu. Le dessein des hommes ne s'accomplit pas. Amen. Alors, il dit, il était instruit par Gamaliel en vue de devenir un jour un grand sacrificateur, un grand rabbin. Il avait des hautes ambitions. Intellectuellement, c'était un grand homme. Une grande autorité. Un grand homme dans la nation. Mais il lui a fallu sacrifier tout ça, voyez, pour devenir une partie de la parole, pour exprimer Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Frères, sœurs, voici les moments. Pour exprimer Christ, nous devons apprendre à sacrifier nos propres ambitions. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je veux bien, on peut toujours dire, nous partons au ciel, nous allons être enlevés, il y a une étape préalable. Dans le dessein de Dieu, le deuxième point, tout enfant de Dieu sur la terre doit l'exprimer. Amen. Amen. Parce que nous devons exprimer Dieu. Il dit, la première chose, c'est que nous devons apprendre à sacrifier nos ambitions. Nous avons des ambitions. Lorsque nos ambitions contrastent ou entrent en conflit avec Dieu, apprenons à les sacrifier. Sinon, on ne sera jamais capable de pouvoir exprimer Dieu. Parce qu'il dit, nous devons exprimer Dieu. Les grands desseins de Dieu. Alors, il avait des grandes ambitions. Vous voyez? Une grande autorité. Mais il savait que c'était... Vous voyez? Il savait ce que c'était. Alors, je vais juste vous relire ce que je vous avais lu ici. Avec... Dans Luc. Avec le dessein de Dieu dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Vous voyez comment ces écritures sont boîtes ensemble. Dans le dessein de Dieu, la Bible dit au verset 24, Luc 7, 24, lorsque les envoyés des gens furent partis, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par les vents? Il dit, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons du roi. Amen. Mais qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Vous dis-je plus qu'un prophète? C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face. Allez au 29. Et la Bible dit, et tout le peuple qui l'a entendu, et même le publicain ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême des gens. Mais, écoutez le mais, le pharisien. Ça, c'est l'ambition que Paul avait aussi, auparavant. Le pharisien,
sont pas baptisés par lui ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Vous voyez? Le dessein de Dieu. Dieu avait un dessein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à abandonner ses propres ambitions pour rejoindre le dessein de Dieu où il veut s'exprimer à travers les hommes. Et c'est là où je vous disais, dans le dessein de Dieu, Dieu a voulu, juste pour accomplir les premiers desseins, c'est-à-dire envoyer son fils pour venir exprimer la plénitude et par ses moyens amener les autres hommes en Christ, les baptiser dans un seul corps pour que lui soit la tête et qu'il ait la prééminence. Et pour cela, il avait envoyé avant. C'était Jean-Baptiste. Nous sommes ensemble. Amen. Vous voulez que je vous lise quelque chose, par frère Branham? Amen. Avant de continuer ça, écoutez. Frère Branham, dans la prédication, j'ai restauré. Prêchez les 18, 11 en 53. Après, je vais revenir là, sur ces versets. Il dit, nous avons besoin d'un Jean-Baptiste qui viendra. Amen. Non pas avec les cols retournés et en smoking, mais frère, il était enveloppé d'une vieille peau de mouton velue. Il prêcha si durement la repentance qui secoua tout Jérusalem. Amen. Amen. Il dit, il y en a encore un autre qui viendra. Amen. 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 Les Jean-Baptiste qui est venu, il avait tellement prêché la repentance si durement qu'il avait secoué tout Jérusalem. Parce que nous savons que Jean-Baptiste, quand il est venu, il disait, maintenant la cognée est placée à la racine des arbres. Amen. Son message, c'est un message de repentance. Et quand il a prêché la repentance, si durement, il dit, il fallait aplanir le chemin, les sentiers, parce que les rois de gloire devaient entrer. Amen. Et si nous aussi, nous voulons aujourd'hui que les rois de gloire puissent entrer, il faut que les sentiers soient aplanis. Amen. 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 La cognée doit être mise, placée aussi à la racine des arbres. La repentance doit être prêchée, amen, parce que c'est le chemin obligatoire. Amen. Vous ne pouvez pas arriver au baptême du Saint-Esprit dans le corps de Christ, amen, sans amen passer par là. Amen. C'est le chemin obligé. Amen. Amen. Et Jean-Baptiste a prêché. Il a prêché la repentance. Frère, ça devient quelque chose de difficile aujourd'hui. C'est ce que je disais. De voir quelqu'un qui pleure de ses péchés, de voir une personne qui se repent, ça devient compliqué. Et quelqu'un comme l'apôtre Paul, non seulement qu'au départ il s'était repenti, mais tous les jours il s'est repenti. Amen. 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 Et le message de cet homme, nous savons que l'Esprit d'Élie est venu autant de fois que nous savons. Et nous l'avons toujours répété, n'est-ce pas? L'esprit d'Élie, c'est cet esprit qui prêche aussi la repentance. Nous sommes ensemble. Amen. Frère, nous pouvons prêcher des choses si on n'entre pas par la repentance, c'est peine perdue. Parce que Jésus lui-même a dit que la repentance et le pardon des péchés doit être prêché en son nom. Amen. Nous ne devons pas prêcher Jésus-Christ sans prêcher la repentance. Amen. Il faut que... Et ici, il y a quelqu'un, amen, qui n'a pas été baptisé du baptême scripturaire, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais reçu le baptême, il doit se faire baptiser. Amen. Le seul baptême qui nous a été autorisé de faire de la manière scripturaire, amen, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il dit, la cognée mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits doit être coupé et jeté au feu. Amen. Parce que le moment est venu, frère. Nous ne pouvons pas arriver
Dieu soit celui qui dirige, qui conduise nos vies, si nous ne commençons pas d'abord par nous repentir. Amen. Parce que la repentance, c'est le changement de direction. Amen. Je marchais comme ça, et si l'ennemi vient me dévoyer pour m'amener dans cette direction, je vais tourner dans cette autre direction. Amen. La repentance, le pardon de péché, Jésus lui-même disait, doit être prêché en son nom. Amen. Amen. Il faut que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom. Et Jean-Baptiste est venu avec un message. Un message qui devait amener la repentance. Amener la repentance. Amener les gens dans la direction de Christ. Amen. Pour que, évidemment, Christ soit celui qui dirige, qui conduise totalement leur vie. Amen. Amen. Alors, le message dénominationnel. Qui est ce message où, évidemment, Frère Branham dit, il n'est pas venu comme ceux-là qui viennent prêcher avec des cols retournés, hein, avec des vêtements somptueux, hein, ou des gens là qui, évidemment, ils parlent des baptêmes des enfants et de toutes ces choses. Non, ici, ce n'est pas ça, frère. Où vous irez au ciel, quoi qu'il arrive, tout va bien. Non, nous savons qu'en fait, nous avons un objectif ici. Nous n'allons pas au ciel parce que nous menons une bonne vie. Non. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Amen. C'est notre foi dans l'œuvre du calvaire qui nous sauve. Amen. Mais Dieu veut s'exprimer en vous. Pour que Dieu s'exprime, il faut qu'une personne, évidemment, accepte de se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Alors, il dit, enveloppé d'une vieille peau. Non, il dit, il prêcha si durement la repentance qu'il secoua tout Jérusalem, ainsi que toute la Judée. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Amen. Il dit, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Davantage de Jean-Baptistes. Amen. Comme cela. Amen. Amen. Pas de faiseurs de compromis. Amen. Frère. Ça, c'est ça. Pas de faiseurs de compromis. Hein? Sans compromis. Là. Il dit, Philippe s'est amené là, on dit plutôt Hérode, avec la femme de Philippe. Vous voyez le même esprit? L'esprit d'Élie. Regardez le même esprit d'Élie. La femme de Philippe, certains d'entre eux ont dit, ne prêche pas le mariage et divorce. Vous comprenez comment il nous amène dans les messages? Amen. Le message avait été prêché par Jean-Baptiste. Parce qu'il avait le même esprit. Il a prêché la repentance. Il a prêché durement la repentance. Et il a prêché le mariage et le divorce. Et maintenant, après avoir prêché le mariage et le divorce, les gens lui ont dit, non, tu ne peux pas prêcher ça. Comme on a dit à Frère Branham, il faut que tu enlèves ces bandes de la circulation. Amen. Frère, il n'y a rien de tel qui amène les gens aujourd'hui dans quelque chose qui fait que la parole de Dieu devient sans effet, sinon par rapport au désordre par rapport à la vie, à la vie sexuelle. Vraiment, merci Seigneur. Amen. Le concubinage. Amen. Cette vie, c'est quelque chose qui réduit, qui anéantit. Amen. Amen. Frère, un enfant de Dieu, vous savez qu'en fait, nous sommes là pour... Nous avons une mission. On doit prendre conscience de la mission que Dieu nous a assignée. Frère, les mariages et divorces. Et les divorces. Et l'épouse de Christ, en fait, non seulement que la vie sexuelle désordonnée dans ces temps de la fin, nous voyons là où on est arrivé. Avec le péché des Amoriens, ça c'est quelque chose qui monte en flèche, qui fait ravage dans la société. Le concubinage. Un frère qui prend
la femme de son frère. Il y a tout un désordre qui est organisé, qui est orchestré là. Les enfants de Dieu doivent être loin de ça. Amen. Amen. Et si ta vie n'est pas en ordre, il faut remettre la vie en ordre. Dans la simplicité, dans l'humilité, parce que Dieu sait qu'il cherche, c'est pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur se répande. Comme tant d'autres choses, frère. Tant d'autres choses. Il faut que l'homme accepte à sacrifier sa vie, à sacrifier ses intérêts, pour que les intérêts de Christ soient préservés. Amen. 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 Alors, écoutez, frère Branham, ce qu'il dit ici. Il s'est avancé carrément en face de lui et a dit, il t'est pas permis de l'avoir pour femme. Pouvez-vous vous imaginer un homme rempli du Saint-Esprit se retenir sur quelque chose de ce genre? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un homme rempli du Saint-Esprit se retenir sur quelque chose de ce genre? Non, frère. Vous êtes des trésors du Seigneur. Vous êtes des trésors de Dieu. Dieu veut vous voir vivre autrement et différemment. Ne laissez pas la vie du désordre gagner quelque personne que soit. Amen. Il a prêché durement. Il faut que chaque personne sache qu'en fait nous sommes amenés ici à manifester Christ. Et nous ne pouvons pas manifester Christ en vivant n'importe comment. Il est impossible. Il faut que chaque personne retourne dans une autre direction. Et la repentance et le pardon des péchés qui doivent être prêchés en son nom, c'est chaque personne, lorsque la parole de Dieu est prêchée, doit en faire une affaire personnelle, en toute sincérité, et dire, Seigneur, mais voici devant ta face. Amen. Mais voici devant ta présence. Je viens. Je veux me repentir. Je vais avancer, je vais aller de l'avant. Tu as vécu une certaine vie qui n'a pas plu Dieu. Voici le moment. Amen. Tu n'as pas été baptisé du baptême de la Bible. Voici le moment pour te faire baptiser. Le baptême d'eau est un baptême qui nous amène dans le corps de l'Église, un corps local. Amen. C'est le premier pas. La justification par la foi. Vous croyez à la parole. Vous acceptez aujourd'hui et vous dites, Seigneur, je sais que je ne peux rien par moi-même. Il est écrit que c'est toi-même qui viendra et qui les manifestera dans l'Église. Mais voici, je viens ici pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux. Juste comme l'apôtre Paul, là où il était. L'apôtre Paul, devant la lumière, il est tombé par terre. Mm-hmm. Ses yeux ont été fermés aux choses du monde. Mm-hmm. Amen. Il a été ébloui. Amen. Il a fallu qu'on prie pour lui, pour que les écailles tombent de ses yeux. Amen. 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 À toutes ces choses que le Seigneur nous aveugle aux choses du monde. Amen. 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 Parce que l'homme dans le jardin d'Éden, frère Branham disait, il avait un voile. Il avait un voile. Voile de l'innocence. Mm-hmm. Amen. Amen. Ce voile de l'innocence, il a laissé tomber le voile de l'innocence. Et ses yeux se sont ouverts aux choses du monde. Mais non, il faut que nous fassions l'inverse, le contraire. Que Dieu nous aveugle à ces choses du monde et qu'il ouvre nos yeux aux choses de l'esprit. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes d'accord? Amen. De dire, Seigneur, viens-nous en aide. Amen. Nous voulons prendre la décision aujourd'hui de pouvoir marcher avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre cette décision? Il peut lever sa main. Nous allons prier ensemble. Est-ce que quelqu'un veut prendre la décision?